Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je vais vous présenter le kit à tes côtés. Il est au prix de 27 euros. Donc là-dedans, on a une petite encre vert olive, des tampons, avec des petites pattes de chien, j'adore. On a ensuite tout le matériel pour réaliser les cartes. Je rappelle que dans chaque kit, on n'a rien besoin de rajouter, tout est dedans. Voilà, on a donc un bloc de tampons avec des petites décos cœur couleur dorée, de la mousse 3D, donc les enveloppes qui vont avec, coordonnées au papier, ça je le dis à chaque fois, mais vraiment, ils sont toujours très très jolis. Combien on peut en faire? Hop, on va regarder, la notice elle est où? Là. Donc comme dans chaque kit, on a la notice pour réaliser ces cartes, donc on peut en faire 8. Donc voilà, comme d'habitude, les petits losanges chez la mousse 3D. Donc c'est tout ce qu'il y aura besoin là pour ces kits. Voilà, on a donc des petites étiquettes. Donc là, je pense que c'est pour mettre sur les bases de cartes. Voilà, les bases de cartes. Il y en a 8. Ah, c'est déjà collé ça. Voilà, donc j'ai dit la mousse 3D, les petites, là c'est pour mettre sur les bases de cartes, des étiquettes, et des petits chats et des petits chiens. Voilà, c'est trop mignon. J'ai hâte de faire ce kit. Donc comme d'habitude, je vais réaliser une carte de chaque pour vous faire voir comment réaliser l'autre. En plus, j'avais pas vu, mais là c'est pour mettre la petite patte. Oh, c'est trop mignon. Voilà, donc j'en fais une de chaque et je reviens vers vous dès que c'est terminé. À tout de suite. Voilà, j'ai réalisé les cartes. Alors, je trouve ce kit super sympa. Moi, j'aime beaucoup hein, les chats et les chiens. Hein. J'en ai deux, hein, deux chats, deux chiens à la maison. Donc, voilà, ils font partie de la famille. Donc, vraiment, ce kit, je le trouve vraiment super sympa. J'aime beaucoup les tampons aussi, même si je me suis pas servie de tous les textes. Voilà, c'est vraiment des tampons que je vais garder. Déjà, j'aime bien les pattes de chat et de chien. Le petit os aussi est mignon, le petit poisson. Et puis même les tampons, ils sont sympas. Il y a noté « Je marcherai toujours à tes côtés ». Un « Mon plus fidèle ami »,« Ami pour la vie » et « Tu rends mon cœur fou de joie ». Donc vraiment, ils sont super sympas. Donc vraiment, ils sont toujours hein, ces kits très faciles à faire. Et voilà, je vous dis, le rendu, il est vraiment super sympa. Donc, on va commencer par les chats. Et après, je ferai les chiens. C'est surtout que je me suis aperçue qu'on faisait souvent le même tampon, donc c'est pour éviter à chaque fois de l'enlever, le nettoyer. Donc, je prends une enveloppe de chaque déjà. Et on va commencer donc par les pattes de chat. Alors ça aussi, je trouve ça trop super sympa. Je pense que je le referai sur mes enveloppes avec d'autres modèles, mais le fait de mettre un rond et de mettre la petite patte, vraiment, c'est trop trop mignon. Donc, je prends la patte de chat. Je le pose sur mon bloc. J'encre. Alors, avec les tampons clear, la première fois, il faut toujours tamponner et faire un essai sur une feuille parce que ça ancre pas partout. Voilà, c'est. Je pense que c'est le. Comme ils sont neufs, hein, vraiment. Voilà, moi, comme je l'ai déjà utilisé, il n'y a pas de souci. Je le fais directement. Voilà, donc on fait une patte de chat sur une enveloppe de chaque. Donc, ça, bien sûr, faudra le faire deux fois. Moi, je l'ai déjà fait hein, sur les deux autres. Voilà, on va mettre de côté. Ensuite, donc je prends une base comme ceci, une base comme cela. Je vais reprendre mes modèles. Et là, on va mettre sur celle-ci une patte de chat en bas à gauche. Voilà, un peu sur le côté. Et une patte de chat en haut à droite. Sur l'autre base de carte, on va prendre le modèle comme ceci. Si j'arrive à l'attraper, voilà. Donc là, j'enlève le rond. Et là, c'est pareil. On va faire une patte de chat en haut à gauche. Et une en bas à droite. Ensuite, sur la carte, sur celle-ci, j'en fais une en bas à gauche.
Voilà. Je nettoie tout de suite mon tampon. Voilà. Ensuite, alors, dessus, il y a donc les étiquettes. Donc, c'est pareil, je vais prendre deux étiquettes. Moi, je mets le même texte, mais après, vous pouvez mettre vraiment le texte que vous voulez. Hein. Souvent, ces cartes-là, après, je les envoie à mes clientes. Alors, voilà, j'essaye de mettre un texte plutôt sympa. Hop. Donc, j'ai mis « Tu rends mon cœur fou de joie ». Donc voilà, je mets à peu près au milieu. Je fais l'autre pareil, mais après vous pouvez mettre vraiment le texte que vous voulez. Comme je vous les ai énoncés, vous voyez, il y en a plusieurs. Voilà. Nettoie mon tampon, hop, je le range. Et maintenant, c'est que du montage. Alors, là, donc, il y a ce modèle-là. On enlève les deux petits cœurs. On va faire en premier celle-ci. Et le petit chat, c'est celui-ci. Alors là, j'ai remarqué, en fait, quand j'ai presque tout fini, il reste deux en plus. Ça, c'est super sympa. On peut s'en servir après sur des pages ou sur d'autres cartes. Ouais, je trouve ça sympa qu'ils aient mis des petits animaux en plus. Donc, ça, donc. Là, je les retourne. L'étiquette aussi. Texte. Et là, on va mettre de la mousse 3D. 1, 2, 3, 4. 1, et 2, 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, on enlève toutes les petites boules de pellicule. Moi, j'ai pas d'ongles. C'est pour ça que je prends l'outil touche à tout. Parce que sinon, j'arrive pas à les enlever. Voilà. Surtout, cette mousse 3D, là, elle est plus fine, je trouve, que les autres. Donc, pour le coup, ils sont bien collés, les petites pellicules de protection. Voilà. Ensuite, donc, je reprends ma base de cartes. Je mets celle-ci vraiment droite. Voilà, ça dépasse un petit peu sur les pattes. Voilà. Ensuite, je mets le petit chat. Et le texte. Alors sur la notice, le petit cœur doré, il était en haut, mais moi vu que mon texte voilà, il est en haut, je vais le mettre là, mon petit cœur. Et voilà. Vous voyez, vraiment super facile, top, super sympa, j'adore, c'est trop mignon. Donc maintenant, on passe à la deuxième. Donc ça et on prend donc ce petit chat là. Donc c'est pareil, on retourne pour mettre la mousse 3D. Un à chaque coin. Voilà, on reprend la carte. Alors là, on met pareil au milieu de la carte ce carré. Voilà. Ensuite, on va mettre l'étiquette texte. Voilà. Et en dernier, le petit chat.
Voilà. Voilà, donc là, on cale de façon à ce qu'il touche un petit peu l'étiquette, qu'il soit rigolo sur le dos. Voilà. Et pour finir, le petit cœur. Donc, c'est pareil, le petit cœur, il était là, dans la notice. Mais moi, voilà, je le mets là. C'est plus sympa. Et voilà, c'est déjà fini les petits chats. Hop, super, avec les enveloppes. Voilà, maintenant, on va faire les petits chiens. Alors, on prend cette base de cartes-là et celle-là. Et comme tout à l'heure, que je retrouve l'autre. Voilà, celle-ci, on enlève le rond. Là, on prend la petite patte de chien. C'est celle-là. On voit, les, en fait, les coussinets là, ils sont plus grands par rapport au chat. Voilà. Donc là, on en met en bas à gauche. Pareil, un peu sur le côté. Ensuite, en haut à droite. Tout de suite, je vais faire aussi les deux enveloppes. Alors, c'est pareil, vous ne trompez pas. Il faut bien mettre les enveloppes dans l'autre sens, puisque après, quand on plie, voilà, ça fait ça en fait. Et je préfère les laisser à plat, c'est plus facile pour tamponner. Voilà, une et ensuite l'autre. Donc c'est pareil, il faut le faire sur en tout quatre enveloppes. Voilà, donc je reprends ça. Donc ça c'est fait. Maintenant on va passer à celui-ci. Donc là on met une patte de chien en haut à gauche et une patte de chien en bas à droite. Et sur la carte, une en bas à gauche. Donc voilà, on a fini avec les pattes de chien. Tout de suite, je nettoie mon tampon. Je me disais, mais qui c'est qui fait du bruit dans ma pièce? C'est mon petit chat. Je sais pas ce qu'il cherche à faire une bêtise. Ensuite, donc tout ça c'est fait. Maintenant, les textes. Donc c'est pareil, on reprend les étiquettes. Donc c'est bien, il y en a toujours plus hein, des étiquettes. Voilà, si on se trompe. Voilà, comme ça on peut recommencer. Et puis après, bah, il vous en reste aussi. Vous pouvez les utiliser sur d'autres cartes. Donc moi, je vais reprendre le même tampon que tout à l'heure. Donc, tu rends mon cœur fou de joie. Donc voilà, j'essaie vraiment de bien le mettre. Ça m'aide avec la plaque en verre, en fait. Voilà. Avec les traits, en fait, le mettre droit tout de suite. Même si là, c'est un transparent, on voit vraiment bien ce qu'on fait. C'est mieux quand même de le mettre droit. Et après, j'ai plus qu'à tamponner. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est mal tamponné. Donc, soit je refais l'étiquette, soit je peux prendre le Stampin' White. Et si jamais vous n'avez pas d'autre étiquette, voilà, on reprend le Stampin' White de la même couleur. Donc, c'est vert olive. Je vais vous faire voir. Voilà. Et puis là, on peut voilà, repasser. Ça évite, voilà, quand on n'a pas d'autre étiquette. Voilà. C'est pratique. Pour les petites retouches comme ça. Voilà. Donc, tout est tamponné maintenant. Je vais nettoyer tout de suite mon tampon. Voilà. Et maintenant, on va passer au collage. Donc, je vais reprendre pareil que tout à l'heure. Celle avec les deux petits cœurs que j'enlève. Donc, hop. Et donc là, ce chien-là. Alors, là, pareil, la mousse 3D. Ben oui,
Tu viens me voir? Tu viens dire bonjour? Hein? Tu veux que je m'occupe de toi? Mais regarde, maman a fait sa vidéo. Vous voyez ses petites moustaches, voilà sa petite tête. Voilà, c'est mon petit Figaro, il veut qu'on s'occupe de lui. Allez. Donc, je reprends. Donc, j'ai fini de mettre la mousse 3D. Donc, j'enlève les petites pellicules. Ma poubelle à droite, ça sera plus simple. Voilà. Et donc là, c'est pareil, je vais le coller droit au milieu. À cheval un petit peu sur les pattes. Ensuite, je vais coller le texte. Et je finis par le petit chien. Voilà, comme ça. Un peu sur l'étiquette. Et pour terminer, le petit cœur que je mets en bas à droite. Voilà. Voilà, maintenant, on va faire celle-ci. Donc, pareil, ça pour mettre la mousse 3D et le dernier petit chien. Trois. Un de chaque côté. Et voilà. Donc, par quoi j'ai commencé? Là, j'ai commencé par cette étiquette-là. Voilà. Alors, on le place au centre. Ensuite, j'ai placé le chien. Et pour finir, l'étiquette. Et un petit cœur. Un peu plus haut. Et voilà, c'est fini. Vous voyez, c'était vraiment super facile. Et vraiment, ils sont super sympas, ces petites cartes. Je les mets toutes. Voilà, avec les enveloppes qui vont avec. Donc là, c'est les petits chiens. Là, j'ai le petit chat. Le petit chat. Ça, c'est le petit chien. Le petit chien et le petit chien. C'est bon, j'en ai bien deux. Un, deux, trois. Il m'en manque une. Donc là, c'est bien. Non, ça c'est les chiens. Ça c'est les chats. Chien. Chien. Chat et chat. Voilà, c'est bon. Voilà, j'en ai bien deux roses, deux beiges. Et là, pareil, deux roses et deux beiges. Voilà. Pour ce kit. Donc, je vous rappelle, c'est le kit qui s'appelle Kit à tes côtés et qui est au prix de 27 euros. Comme d'habitude, je vous mets toutes les infos sous la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.